Bon, je pense qu'on peut démarrer nos 5 minutes académiques sont engagées. Je vais dire 2 mots, comme ça va laisser le temps aux gens un petit peu en retard d'arriver. Donc, bonjour et bonsoir selon où vous êtes à toutes et tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la déjà cinquième séance donc, du cycle de conférences à la rencontre des historiens et des historiennes de la santé, qui est organisée dans le cadre de la 10e année du réseau historien de la santé, donc avec l'idée de partir à la rencontre de celles et ceux qui font aujourd'hui l'histoire de la santé, et surtout qui en renouvellent à la fois les perspectives, les approches, les méthodes, les terrains d'enquête. Et donc aujourd'hui, pour cette cinquième séance, et la dernière donc de l'automne, mais peut-être pas de l'année, je vous en reparlerai plus tard, on a décidé d'aller explorer les nouveaux territoires de la folie, ou en tout cas de convier des chercheurs qui explorent ces questions-là dans des territoires peut-être moins étudiés ou nouvellement étudiés. Et donc, on aura le plaisir d'entendre aujourd'hui deux chercheurs importants. D'abord, Raphaël Gallien, donc, qui est doctorant à l'Université de Paris au CESMA et qui travaille donc sur la folie colonisée à Madagascar. Il va nous en parler en premier. Et ensuite, donc, Grégory Dufaux, qui est maître de conférence à l'UEP de Lyon et membre du LARA et qui, lui, travaille sur l'histoire de la psychiatrie soviétique. Donc, comme c'est l'habitude dans nos rencontres, du jeudi midi ou du jeudi soir, selon où vous êtes. On part sur une vingtaine de minutes de présentation de chaque intervenant, avec un temps de questions qui suit chaque intervention. Et puis, si on a du temps à la fin, évidemment, on s'ouvre aux échanges croisés, parce que je pense que de toute façon, les deux interventions, et c'est aussi pour ça qu'on les a réunies, ont, malgré la distance géographique qui sépare leur terrain de recherche, je pense, des choses à se dire et des choses à se questionner ensemble. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je vois que les gens qui voulaient venir sont à peu près tous là. Je vous remercie encore et d'être présents depuis le début et encore plus pour cette séance aujourd'hui. Je remercie nos deux intervenants d'avoir accepté de participer à cette séance. Et je vais tout de suite passer la parole et l'écran à Raphaël Gallien, donc, qui est, je le répète, doctorant à l'Université de Paris au CESMA et qui va nous parler de corps malade, corps politique, la folie colonisée à Madagascar, 1912-1955. Merci encore de votre présence. C'est à vous. Merci beaucoup à toi Alexandre, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Je vais essayer de vous donner à partir de quelques exemples un tout petit aperçu de la démarche qui structure ma thèse, à savoir faire de la folie un point d'entrée, une fenêtre sur le monde social malgache du XXe siècle et en ça contribuer à une histoire politique de la colonisation. Alors, du point de vue, je vais commencer par essayer de dresser un panorama très rapide mais global. Hein, du point de vue psychiatrique, l'île de Madagascar constitue, pour le dire rapidement, une exception dans l'empire colonial français, parce qu'en effet, c'est le premier territoire à accueillir un hôpital psychiatrique, l'hôpital d'Anzanamas. Vous l'avez sur la carte de gauche. Donc, l'hôpital d'Anzanamas qui est inauguré en 1912 et qui va répondre dès son ouverture de la loi de juin 1838, donc qui va avoir pour effet hein, de placer le malade aliéné, notamment sous l'autorité de l'administration coloniale. Juste à titre de comparaison, hein, il faut attendre 1918 pour avoir une pareille institution en Indochine, 1933 pour l'Algérie, 1956 pour l'Afrique occidentale française, bon, ce qui oblige à revoir toute une chronologie de la psychiatrie aux Afriques, que l'on fait souvent démarrer aux alentours des années 1930 ou parfois autour des premières discussions du congrès de Tunis de 1912. Là, avec Madagascar, on est sur une réalité un peu plus longue, un peu plus ancienne, qui commence dès le tout début du XXe siècle, avant même Anzanamas, on a une première petite structure, quelques années seulement donc après la colonisation de l'île qui intervient en 1895-1896. Donc Madagascar, qui est érigé comme un modèle dans ses premières années qu'il faudrait dupliquer par ailleurs dans les autres colonies. Et de fait, hein, l'afflux des malades y est grandissant. On est à 91 internés en 1912, année d'ouverture, à presque 600 au lendemain de l'indépendance. Et donc progressivement, on a un établissement qui va s'étendre sur un peu plus de 2 hectares et se composer d'une dizaine de pavillons. Donc là, vous avez un plan que je pourrais détailler ensuite. C'est le plan au moment de l'ouverture. Alors, j'ai essayé de voir si ce plan était effectif.
Donc, on a là une vue satellite aérienne de 2017. Depuis, ça a beaucoup changé, mais quand on essaie de superposer ça, on retrouve en fait l'implantation des bâtiments. Et puis, on voit qu'au sud, qui est en fait à l'ouest, là, sur la carte, eh bien, on a toute une série de nouvelles constructions qui, aujourd'hui, sont les pavillons usités au sein de l'établissement qui est toujours ouvert. Et donc, cet établissement se compose de pavillons qui séparent donc les malades européens des malades indigènes, les malades agités des malades tranquilles, les hommes des femmes. Je reprends là une dichotomie coloniale d'époque. Et paradoxalement, je le souligne, alors que ces dernières années, la question de la folie aux Afriques, et notamment la folie dans l'Empire colonial français, connaît un très profond renouvellement historiographique, eh bien l'île de Madagascar reste la grande absente de cette histoire, et ma thèse, c'est aussi, j'espère, combler ce manque. Une historiographie de la psychiatrie coloniale qui a bien montré hein, ces 20 ou 30 dernières années le rôle qu'a eu la discipline dans l'élaboration des catégories raciales nécessaires au projet colonial. Le savoir des médecins a permis d'objectiver les individus, de pathologiser leurs réactions et a été notamment mobilisé comme un outil privilégié de contrôle biomédical. Il y a énormément de travaux là-dessus. Bon, fort de cette première génération de recherche, mon objectif dans la thèse, c'est évidemment de prendre en charge cette question de l'usage du savoir médical qui découle de la psychiatrie, mais également de s'interroger ou tenter de s'interroger sur le monde même de l'interné aliéné et éclairer en ça, à partir de la folie, les réalités quotidiennes de la situation coloniale. Je m'inscris là-dedans, notamment dans le prolongement des travaux de Jonathan Sadowski hein, au sujet de la psychiatrie en territoire colonial britannique. Un peu différemment, mais tout aussi stimulant, les travaux de Claire Eddington sur l'Indochine française. Et donc, je me situe dans le prolongement de ces travaux, à savoir essayer d'approcher au plus près ces histoires délirantes afin d'interroger les images qui mobilisent, leur vocabulaire, la matérialité de leur récit, aussi irrationnel soit-il. Et donc, dans le cadre de ma recherche doctorale, j'ai eu accès donc au dossier des malades internés à Anzanamasne entre 1906, les dossiers vont de 1906 aux années 2011, des dossiers que j'ai redécouverts, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais été travaillés depuis la fermeture, enfin depuis que les médecins avaient un peu relégué ces dossiers-là. Et j'ai notamment travaillé plus particulièrement sur 1100 dossiers d'entre eux que j'ai constitués dans une base de données. Et ce soir, je vais me concentrer, contrairement à ce que j'avais indiqué, sur seulement deux d'entre eux, parce que sinon je vais exploser les compteurs. Je voulais en faire quatre, mais je vous demande de me faire confiance. Les quatre allaient dans la même direction selon moi, mais je vais en évoquer que deux. Et une précision importante, alors il y a plein d'enjeux méthodologiques et j'espère qu'on pourra en discuter, mais il ne s'agit pas là avec ces deux dossiers de résumer l'ensemble des situations rencontrées en Zanamas. Hein. Les mobiliser, c'est résolument faire le choix d'une approche très fine des années 1920. Je vais me concentrer sur les années 1920, je vous expliquerai pourquoi. Une approche fine, qualitative, pour approcher peut-être quelques subjectivités colonisées, donc une méthodologie largement par cas, dans la lignée notamment de travaux de Jacques Revel, au croisement, pour le dire très très vite, de la microstoria et des subaltern studies. Mais donc des dossiers qui ne constituent qu'un horizon possible du quotidien colonial. Alors, voilà, je vais essayer de regrouper dans un tableau quelques indications. Donc, je vais me concentrer sur Joseph Raktaou et Jean Akoulou-Manan, première et dernière ligne du tableau. Avant d'aller plus loin, quelques indications générales sur ces deux cas. Tous sont placés d'office à l'asile, internés à la suite de la décision de l'administration après avis des médecins. Une situation extrêmement régulière, hein, puisque sur les 194 dossiers travaillés pour la décennie 1901, seuls deux ne sont pas issus d'un internement d'office. Les femmes sont minoritaires en Zanamas, elles représentent 21% des internements dans les années 1920, soit moins d'une femme pour quatre entrées. J'en avais sélectionné une, mais je vais redoubler la marginalité en l'évoquant ici, j'en suis désolé. Et tous deux proviennent de deux régions, de deux mêmes régions géographiques, Antananarivo et sa province, et la région de Fianarantsoa, qui est juste au sud d'Antananarivo, qui sont les deux régions majoritaires au centre de l'île. Donc là aussi, une géographie représentative de ce que l'on retrouve plus largement dans les dossiers du fait d'une certaine détermination géographique, puisque Anzanamas se situe à l'intersection de ces deux régions, même si ce n'est pas la seule explication selon moi. En ce qui concerne la durée d'internement, elle est en moyenne dans les deux cas présentés là de 1328 jours, soit environ 3 ans et 6 mois, durée qui est là 3 à 4 fois moins longue que la durée d'internement moyen que je rencontre pour la même décennie,
puisqu'on est sur une durée de 4317 jours d'internement en moyenne, hein, soit donc un peu plus de 11 années d'internement. Et enfin, question essentielle et qui là est un prisme, celle du niveau d'éducation. Chacune des deux personnes ont un niveau d'éducation et donc un niveau social plutôt élevé par rapport à l'ensemble de la population. Or, c'est précisément cette position sociale à la frontière entre deux mondes, colonisés et colons, on va le voir, qui rend possible, selon moi, une telle étude. Donc, le premier, Joseph Raktaou, je précise que c'est des noms d'emprunt, est marié et père d'un enfant. Il est interné le 24 avril 1922 et il était jusqu'alors gouverneur adjoint de la province de Fianarantsoa. Son délire, notent les médecins, aurait commencé un an avant son internement en tant que gouverneur adjoint, où il aurait multiplié les fautes en écriture en signant à la place des autorités françaises sans que l'on comprenne précisément ce qui motive une telle accusation. Est-ce la vérité ou une accusation mensongère, comme il s'en défend auprès des médecins? Impossible de le savoir. Le médecin écrit dans son dossier à son propos qu'il s'agit d'un dégénéré supérieur paranoïaque. Donc, Camblé, il est intéressant, parenthèse, hein, de s'intéresser sur cette étiquette médicale de dégénéré supérieur. Le terme de dégénéré revient très régulièrement dans mes dossiers. L'adjectif supérieur, beaucoup moins. Et selon moi, ça marque là une graduation dans le délire qui s'articule avant tout à la position sociale de l'interné. Ce qui signifie que l'identité de malade et d'interné ne recouvre pas l'identité sociale de la personne. Donc un dégénéré supérieur qui plonge, selon le médecin, dans la mégalomanie également, en se croyant, et là je cite, représentant de la France, en se mettant à gesticuler et à vociférer, il se croit la France. Alors le fait que les médecins notent l'importance de ces gesticulations dans un diagnostic n'a rien d'anodin, surtout à Madagascar. L'anthropologue Malanzane Rakoutoumalal, par exemple, a très bien montré l'importance des manifestations corporelles à Madagascar. Sur l'île, imiter le colonisateur français, voire même le caricaturer, ça passe par une attitude qui fait une grande place aux gesticulations, à la parole élevée. Le français, c'est celui qui impose sa voix et ses variations de voix, et un langage corporel à son auditoire, là où la société malgache prescrit une certaine forme de retenue, et voire même de ne pas soutenir le regard de son interlocuteur aujourd'hui encore. Et là, Raktaou semble adopter une position corporelle différente, plus similaire à celle du français, en plus d'infirmer les accusations, hein, parce qu'il répète qu'il n'a jamais produit de faux en écriture. En somme, tout son délire se construit à partir d'une position sociale et corporelle qui souhaite se superposer à celle du français. Et c'est précisément cette pathologisation d'une attitude qui sort d'un cadre attendu, la signature de documents à la place des Français, qui motive les observations du médecin. Il explique par ailleurs qu'il a besoin, je cite, d'un passeport pour rejoindre Paris parce que, écrit-il dans une lettre, je ne vais pas rester ici au pavillon asile d'aliénés. Il demande par ailleurs 500 francs pour se payer un dîner à Antananarivo puis pouvoir rejoindre Fianarantsoa, donc qui est sa région d'origine, en automobile. Or, l'automobile est là aussi l'un des points très importants du symbole de la modernité à Madagascar. Dès 1902, on a le général Galiani, qui est le premier à introduire la voiture sur l'île lors de défilés officiels très spectaculaires et marquants pour la population, qui en fait le symbole d'une certaine modernité, en tout cas une modernité coloniale. Jean Akoulou-Malan, quant à lui, donc le deuxième cas, si je puis dire, rentre à l'asile le 3 juillet 1928 à l'âge de 43 ans. Il est marié, considéré par les autorités françaises comme métisse, car son père est merne et sa mère bétsiléou, de population. Je passe un petit peu là-dessus. Et c'est dans le cadre de son métier d'instituteur que se déclenche la maladie. En poste depuis 1926, il entre dans le délire le 27 juin 1928 au matin. Il demande alors à ses élèves et à ses collègues de s'agenouiller devant lui pour le saluer. Son supérieur, dans une lettre qui est versée à son dossier, affirme qu'en une demi-heure, la nouvelle de sa folie se répand dans le village. La population effrayée vient chercher les enfants. Et une heure après le début des enseignements, nous dit le directeur, c'est toute l'école qui se retrouve vidée de ses élèves. Donc, en somme, Rakoumalan crée le scandale. Et les médecins voient chez lui une psychose systématisée, c'est-à-dire un délire cohérent construit, qui serait construit hein, sur des interprétations avec un thème prévalent, où les réactions sont toujours en rapport avec ce terme prévalent. Alors la situation de Rakoumalal est très intéressante car suite à son internement, il va laisser plusieurs dizaines de lettres qui témoignent de son état d'esprit. Je ne peux pas tous vous les citer, mais je vais me concentrer sur quelques-unes.
Ces lettres témoignent par ailleurs du caractère décousu de sa parole, hein, ce qui pourrait nous, là on pourrait relativiser sa folie, ça pourrait nous y conforter. Mais tout de même, au-delà de ce caractère décousu, elles expriment, je crois, assez clairement les nœuds de tension qui le parcourent. Au début de plusieurs d'entre elles, il écrit par ailleurs, d'ailleurs j'ai mis une image, voilà, c'était un document. Donc au début de certaines d'entre elles, il écrit toujours à ouvrir devant tous les instituteurs, affirmant là son besoin de témoigner au monde ce qui lui arrive. Et donc il écrit, je le cite, « Je restais sans rien avoir au pied de mon diplôme. Vous ne voulez pas me recevoir auprès de vous. Ce matin, j'étais battu par un des malades et reçu une plaie au front, et je ne sais plus où je devenais, ni d'ici, ni d'ailleurs, comme en sens de rien vis-à-vis de ma personne. » Dans une autre lettre, il poursuit, je le cite toujours, « Depuis que je suis en service d'instituteur et dépensé la totalité de ma force d'homme, j'ai démontré que j'ai aucun livre, ni bulletin, ni de quel objet de gouvernement, rien de la dose du réconfort. » Les livres sont donc une dose de réconfort auquel il n'a pas accès, selon lui. Donc, ayant, pour le reprendre, déployé la totalité de sa force d'homme, comme il l'écrit, le voilà privé de tout ce qui lui semble être digne de sa profession et donc de son statut. Il poursuit en expliquant dans une autre lettre de la même époque vouloir de l'argent pour retourner chez lui auprès de sa famille à Fianarantsoa. À partir de janvier 1930, il se met à écrire des rédactions de français où il disserte hein, littéralement sur les programmes scolaires qu'il enseignait, les sciences naturelles, la grammaire, etc. Et dans une de ses dissertations, il écrit « On raconte souvent à tort et à travers en disant que les autres, Anjian, donc les nobles à Madagascar, pour le dire vite, se changent en caïmans. » La thématique des caïmans est une thématique mythologique très très fréquente. Donc on raconte que les autres, Anjian, se changent en caïmans et même que certains autres se dressent en alignement au ciel. J'ose résumer comme exactitude au fond de mon cœur que je prends toujours la science des Français, savants et illustres, pour la vraie ouverture de la capacité des hommes. Dans un autre de ses écrits, il disserte sur le rôle du psychide, c'est-à-dire celui qui est chargé de l'art de la prédiction à Madagascar, ce qui est très important au quotidien, bien souvent pratiqué par les Zumbiash eux-mêmes, c'est-à-dire les devins guérisseurs qui ont là aussi donc une place centrale dans l'ordre quotidien. Et donc il écrit, je le cite, « Le psychide de ma propre pensée intérieurement personnelle, j'en reconnais que tout ce que l'on en dit est totalement fabuleux pour en tromper les imbéciles arriérés dans d'autres régions, en tout soin de les plus reculés, cause de leur paresse antérieurement en espace. » Enfin, dans ces mêmes rédactions, il affirme qu'il est un ancien élève de l'école de médecine de Tananarive et qu'il peut donc soigner les gens, qu'il peut disséquer les corps et apprécier l'état des organes. Et se réclamer de l'école de médecine n'est pas anodin, c'est le lieu par excellence de la réussite sociale sous la colonisation à Madagascar. C'est la voie professionnelle la plus prestigieuse sur l'île. Faire médecine, c'est faire partie de la catégorie socio-économique la plus élitaire et être à l'intersection entre le monde colonisé et le monde colonial. Et également, évoquer la médecine dans les années 1920-1930 n'est pas du tout anodin, un délire sur la médecine, puisqu'on est sur le grand moment d'épidémie de peste, une résurgence de peste qui s'articule à des enjeux de vaccination et qui, évidemment, auquel va se structurer, se greffer très rapidement des enjeux avant tout politiques. Donc, délirer sur la santé à ce moment-là, c'est, à mon sens, évocateur de quelque chose. Et ce délire sur la médecine, d'ailleurs, se retrouve beaucoup moins dans les années, après les années 40. Donc, un désir d'appartenance à travers la médecine. Et enfin, un des derniers éléments que je retiens là, il y en aurait d'autres. Hein. Lors de ses premiers jours d'internement, Rakumalan s'évade. Alors, l'évasion n'est pas un événement rare, elle se retrouve dans de nombreux dossiers. En revanche, ses motivations sont bien singulières. Il s'évade en effet le 6 juillet 1928, dans l'optique, nous dit-il, d'assister aux festivités du 14 juillet. Manque de chance pour lui, il est rattrapé le 9. Il va alors écrire une lettre pour demander une permission de sortie le 14 juillet parce qu'il, je le cite, « ne peut pas laisser sa famille sans parents à cette date ». Date qui renvoie évidemment, vous l'avez compris, à la fête nationale française, qui est aussi un jour de défilé militaire et de mise à l'honneur de la patrie dans la colonie. Et dans cette lettre, il va même jusqu'à proposer la somme de 400 francs comme caution dans l'espoir d'obtenir cette permission de sortie. Et s'il ne revient pas, affirme-t-il, eh bien alors les médecins pourront lui confisquer cette somme. Alors, difficile, si ce n'est impossible, hein, dans chacune de ces situations, de connaître leur vérité factuelle, et il ne s'agit pas de chercher à infirmer ou à accréditer rétrospectivement le diagnostic posé par les médecins à l'endroit de ces personnes.
La question que je me pose, c'est comment un travail d'histoire qui cherche à reconstruire la vérité d'un temps passé à partir des archives peut-il se mettre au service de ces fausses paroles? Comment en effet prétendre construire un récit vrai alors même que la spécificité de la parole du fou réside dans un rapport étroit avec la fabulation sans prise sur la réalité? Alors là, je pourrais nuancer très rapidement. Et ce que je souhaite démontrer dans le cadre de la thèse, c'est que c'est précisément en prenant pour étude ce faux que constitue le délire que l'on entrevoit le vrai d'une situation sociale et politique à partir de subjectivités individuelles, aussi en loc soit-elle. Prendre le plus au sérieux possible ces délires à partir de leurs propres obsessions, c'est entrevoir les nœuds et les angoisses de chacun dans une époque et également questionner la place réservée à chacun et les imaginaires qui jalonnent ces agencements. Les deux cas évoqués ont pour premier point commun d'avoir tous, dans un premier temps, souscrit radicalement au projet colonial. L'un est gouverneur général adjoint, le second est instituteur et n'hésite pas dans ses écrits à désigner ouvertement les savoirs ancestraux, je le dis rapidement, donc propres aux Sikides ou aux Ambiaches, comme complètement dépassés. Dans un premier temps, tous les deux ont essayé d'épouser l'empreinte du colonial dans l'espoir d'un avenir émancipatoire. Or, force est de constater que dans chacune des situations, et pour des raisons apparemment différentes, cela n'aboutit jamais. Le premier, gouverneur général, manifeste sa volonté de pouvoir signer comme tout décideur français des actes ayant affaire à la politique locale. L'instruction reçue, même une fois instituteur, ne permet pas non plus, semble-t-il, d'accéder à la liberté attendue, voire fantasmée jusque-là. Et c'est bien parce qu'ils sont malgaches qu'ils ne pourront jamais prétendre au même droit et à la même reconnaissance que les Français que se manifeste leur opposition. Le psychiatre Frantz Fanon n'a cessé de le dire face aux malades qu'il rencontrait en Algérie dans le cadre de sa pratique. Je le cite, « La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place et à ne pas dépasser la limite. Mais ici, c'est finalement comme si cet apprentissage, ou du moins cette acceptation du rester à sa place, n'intervenait que très tardivement, une fois le dernier échelon dans la société indigène coloniale gravi, et une fois que l'on se retrouve dans cette incapacité structurelle à accéder à ce statut d'humanité, de dignité que représente la position sociale du colon, qui reste inaccessible donc pour l'indigène. De fait, si nous listons les revendications qui surgissent à travers ces deux délires, une ligne politique assez claire me semble apparaître. C'est le même droit à l'existence que les Français, c'est-à-dire, pour paraphraser leur délire, le droit de signer comme un Français des documents officiels, le droit à un passeport, le droit à partir en direction de Paris, le droit à l'usage de l'automobile, le droit à la maîtrise d'un savoir plein et entier. Le délire est en quelque sorte la dernière manière de formuler cette impossibilité structurelle d'accéder à ce monde dont on passe son temps à faire la promotion en raison même de sa souscription, dans un premier temps du moins, car ce sont bien ceux qui, d'apparence, sont les plus intégrés à cet ordre social et politique qui ici sapent l'ambition même du projet colonial. Penser ce qui vient est impossible, l'individu étant figé dans un présent articulé à la concurrence interminable de deux lois, celle des colonisés et celle des colons, qui rendent impossible toute conjuration des statuts. J'en ai bientôt fini. L'exemple de Jean Akoulou-Malal avec sa fugue pour assister aux cérémonies du 14 juillet est manifeste. Pour lui, c'est une question vitale que d'être présent lors de cette journée, alors qu'à l'évidence, bien sûr, ces manifestations festives vont se tenir sans lui. Et on est là, en pleine mortification de la personnalité, qui, en contexte colonial, se retrouve consubstantielle au monde social dans son entièreté et non uniquement à l'entrée dans l'asile, pour reprendre Goffman. Le délire apparaît ainsi comme le marqueur des frontières sociales et politiques du colonial à partir de subjectivité des années 1920, subjectivité qu'il aurait été par ailleurs impossible d'entendre si ces personnes n'avaient pas sombré dans la folie, là où précisément, toujours la question quand on fait l'histoire coloniale, c'est comment et quel piège pour atteindre la parole décolonisée. Il s'agit là, selon moi, et j'en conclus là-dessus, d'une tentative d'exercice public de la raison. Je reprends là Achille Mbembe que je détourne volontairement, comme le fait dans ses lettres où il inscrit sur le devant « à ouvrir devant tous les instituteurs ». Il émerge une sédimentation intellectuelle en lambeaux, mais qui se veut affirmative, ce qui autorise, je crois, non seulement à les analyser comme des procédures de constitution d'identité individuelle et sociale, mais comme des pratiques politiques tout court. Disserter sur les programmes scolaires, comme le fait encore Jean Akoulou-Malal, c'est venir dissoudre le conflit colonial en l'exorcisant dans une folie qui dépend clairement des déterminants matériels et d'une réalité quotidienne, face à un délire qui est donc une captation de sens
de débris de sens, pardonnez-moi, du moment colonial et qui est loin d'être synonyme, je crois, d'une dislocation radicale où l'individu n'existerait plus comme la psychiatrie a tenté de l'imposer pendant longtemps. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà explosé les compteurs, j'aurais plein de choses d'autres à dire, à préciser, à nuancer, mais j'espère qu'on pourra en discuter. Merci beaucoup. Oui, j'imagine que les questions vont être nombreuses. Le terrain est passionnant, la quantité d'archives aussi, mais je vais laisser la parole à la salle d'abord s'il y a des questions, s'il y a des remarques, des interrogations, des demandes de complément. On a le temps d'en discuter. Vous pouvez utiliser votre main virtuelle ou votre main réelle pour manifester votre intérêt. Oui, Hubert, main virtuelle. Ouais, micro, Hubert. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, okay. Je me demandais simplement qu'est-ce qui faisait la singularité de Madagascar qui a fait en sorte que le premier hôpital psychiatrique colonial de France y a été établi. Merci beaucoup pour la question. Pas le premier hôpital psychiatrique de France, hein, le premier hôpital psychiatrique de l'Empire colonial, ouais, que l'on soit bien d'accord. Donc, si j'ai bien compris, ce qui motive la construction de cet hôpital, alors c'est une question extrêmement compliquée où je n'ai pas de réponse affirmative. Pour moi, c'est plusieurs choses. La première, c'est que il y a une longue tradition de la médecine à Madagascar, de la biomédecine. Quand je parle de médecine, je parle de biomédecine européenne. Une longue tradition de la médecine à Madagascar dès le début du 19e siècle, grâce à l'arrivée de premiers missionnaires britanniques, avant que ce soit les colonisateurs français, qui vont former à la médecine, qui vont former des premières générations de médecins dès la deuxième moitié du 19e siècle. Et ça, il y a très peu de travaux sur l'histoire de la médecine à Madagascar de manière générale, mais par exemple, il y a Delphine Burguet, qui est une anthropologue qui s'est un peu plongée dans les archives. Moi, je la rejoins complètement quand elle dit qu'il n'y a jamais eu d'opposition nette, de méfiance face à une médecine européenne. Il y a beaucoup plus une curiosité, des interrogations, avec parfois, évidemment, surtout au XXe siècle, l'apparition de moments d'opposition. Mais on a tout de suite une élite médicale qui se constitue à tel point que les premiers révolutionnaires, les premiers anticoloniaux, ce sont des médecins dès le début du XXe siècle. Donc, il y a déjà une inscription de la médecine ancienne. Première raison, selon moi. Deuxième raison, une colonie qui, là, je le mets vraiment vis-à-vis du colonial, une colonie qui est toujours très ambiguë parce qu'on est à cheval entre l'Asie et l'Afrique. Et donc, on est sur un. Madagascar a toujours dans l'imaginaire colonial une représentation de prototype. Enfin, on est entre deux mondes, il va y avoir des choses possibles. Ce ne sont pas simplement, si je puis dire entre guillemets, des Africains. La maladie mentale, c'est un fait qui doit être étudié, qui doit être. Moi, je ne retrouve pas, par exemple, à la fin du 19e siècle, l'idée que la maladie mentale n'existe pas à Madagascar. C'est ce qui s'est imposé pendant très longtemps au 19e en Afrique, avec l'idée que. Ça restait à prouver le fait que la maladie mentale soit présente pour plein de raisons. Madagascar. Tout de suite, il y a l'idée d'une maladie mentale présente. Et donc, Madagascar, c'est le premier endroit où va naître l'assistance médicale indigène, qui va ensuite être dupliquée quelques années plus tard en Afrique de l'Ouest. Donc, on est sur une colonie qui, là, encore une fois, est un caractère de prototype. Et enfin, troisième élément, la personnalité du général Galliani. Joseph Galliani, qui a vraiment une idée très précise de ce que doit être la colonie, qui le théorise, qui est à la source donc, de l'assistance médicale indigène, et qui, dès 1900, dans une conférence à l'école de médecine, il se satisfait de la structure médicale qui est en train d'être mise en place sur l'île, et qui nous dit qu'il nous manque deux choses en 1900, un asile d'aliénés et une maternité. Et les deux, dans les années qui suivent, vont être mis en place, parce qu'en fait, on a une première structure psychiatrique qui est très, très bricolée dès 1905. Je n'en ai pas parlé là volontairement, mais voilà. Trois raisons au moins qui font que Madagascar se donne un asile. Merci, Marie-Claude. Merci beaucoup pour la belle présentation, Raphaël. C'est vraiment intéressant. C'est un beau terrain. Alors, tu as piqué ma curiosité avec tes sources, bien entendu, qui semblent nombreuses en quantité. Et puisque je m'intéresse aussi à la micro-histoire, j'aimerais savoir la différence entre les dossiers, à savoir ceux qui savent écrire et ceux qui ne savent pas écrire. Est-ce que le contenu du dossier, le volume du dossier est apparemment différent? Et tu as parlé aussi comme quoi que c'était un environnement à l'île Madagascar assez moderne. Est-ce qu'on voit dans les délires la place de cette modernité qui s'installe?
Merci beaucoup pour ces deux très belles questions. Alors, la première sur le volume, j'ai envie de vous faire une réponse. Enfin, il y a une vraie évolution dans le volume des dossiers. De manière plus générale, je dirais tout d'abord que dans les années 1912, l'ouverture de l'asile jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ou 1915 plutôt même, on a des dossiers plutôt épais, avec une vraie tentative de théorisation médicale. Donc, les médecins écrivent, réfléchissent, les dossiers sont épais. Par contre, très rapidement, à partir des années 1915-1920, l'asile, on s'en détourne. Madagascar est dans une crise économique très importante à partir de l'année 1921-1922. Et donc, évidemment, on réduit les budgets. Ça, c'est commun à toutes les colonies, mais plus encore là. Et ce qui fait qu'on assiste à une situation qui, là, selon moi, beaucoup plus spécifique à Madagascar, c'est que comme on a ces médecins malgaches qui sont déjà présents depuis la fin du 19e siècle au moins, les médecins français vont se reculer et vont être présents. À partir de 1921-1922, les médecins français viennent simplement une ou deux fois par mois pour s'assurer que l'hôpital fonctionne correctement. Et donc, on n'a pas de théorisation médicale poussée, comme on pourrait le rencontrer avec une clinique comme Antoine Porro en Algérie, très raciale et en même temps très moderne. C'est quelque chose de beaucoup plus modeste, si je puis dire. Et dans les dossiers, ça se retrouve, puisque les médecins malgaches ne vont pas avoir cette sensation de déposer. Ils vont simplement remplir les quelques documents nécessaires, typiquement la fiche d'identité, et décrire et remplir des bulletins semestriels, donc deux ou trois par an maximum. Et souvent, quand le patient ne fait pas problème, eh bien, le dossier est très maigre. Les seuls dossiers qui font exception à ce schéma-là, ce sont trois types de dossiers. Le premier, ce sont les quelques dossiers d'Européens, parce que là, il faut alimenter avec l'objectif de les extraire et de les renvoyer ensuite vers la métropole, même si c'est loin d'être automatique, parce que Madagascar est très loin. La deuxième exception, ce sont les malades qui font problème, par exemple, qui s'évadent très régulièrement, qui commettent vraiment des actes de violence. Et la troisième, ce sont les dossiers, exception, ce sont les dossiers où les malades écrivent eux-mêmes. J'ai des malades qui sont lettrés, mais qui sont une minorité, qui vont donc produire beaucoup de lettres, qui dessinent, j'ai des dessins. Les correspondances avec les familles, lorsqu'elles sont présentes, voilà, là, il y a une épaisseur du dossier. Mais pour répondre de manière succincte, c'est très hétérogène finalement. C'est assez hétérogène et très frustrant aussi par endroit. Et la deuxième question, j'ai oublié, parce que j'étais beaucoup trop long sur la première. Les traces de la modernité dans le délire des patients. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si je le formulerais de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a des figures qui émergent par endroit. Là, la place de l'automobile, par exemple. Est-ce que la place, ce qui me frappe, par exemple, c'est qu'à la fin des années 30, au début des années 40, il y a une très grande politique de contrôle de la production de riz qui est mise en place par l'administration coloniale, qui va avoir des conséquences très, très importantes dans le quotidien de la population, parce qu'on va, le terme me manque, on va s'accaparer des terres, voilà, au détriment de la population locale, et donc les gens vont être obligés de se déplacer, ne vont plus être en possession de terres ancestrales, là où à Madagascar, il y a un ancrage de la terre jusqu'à aujourd'hui très fort. On ne peut pas vendre une terre, hein, aujourd'hui encore à Madagascar, ça, c'est pas possible. Et cette, par exemple, cette politique de riz qui marque très fortement les esprits, on la retrouve dans les délires, elle apparaît. Cette question du riz se fait à partir des années 40, assez importante. Au début, je ne comprenais pas ce que le riz venait faire là-dedans. J'ai mis du temps à mettre en corrélation, à articuler ces deux politiques-là. Et une politique du riz qui est très frappante sur les historiens de l'économie à Madagascar, hein, qui ont travaillé beaucoup là-dessus, mais finalement, comment la population a réceptionné cette politique du riz, on le sait très peu. Enfin, il n'y a pas d'archives, en fait, ce regard un peu colonisé sur cette politique du riz. Et ben, pour moi, là, la folie nous offre un très bel indice sur le fait que c'est un enjeu politique omniprésent dans les esprits. Cette politique du riz, c'est quelque chose qui a marqué une rupture, ou en tout cas qui a marqué tout simplement la population. Voilà pour la modernité. Il y a à la veille des indépendances, dans les délires, émergent les grandes figures politiques qui vont devenir les premiers représentants politiques dans les années 60. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'en permettre une petite. J'avais aussi des questions sur les sources, mais je ne vais pas y revenir. Mais pour poursuivre un peu la deuxième question de Marie-Claude, moi, je m'interroge sur la place dans les délires de la médecine traditionnelle.
Parce que tu sais, dans le cas algérien, on voit, Fanon l'a bien montré, mais je pense à Paul Lemarquis qui est là aussi aujourd'hui. Tu sais, y a la place de la représentation culturelle de la folie qui s'intègre dans le travail que font les psychiatres sur le terrain. Il y a cette espèce de difficulté, ou en tout cas de défi de la psychiatrie coloniale, de dealer, en bon français, avec deux systèmes de représentation de la folie spécifiques. Et donc, de savoir si tu retrouves des traces de... Tu sais, tu as parlé des guérisseurs spécifiques dont j'ai oublié le nom. Est-ce que tu retrouves des traces, voilà, de cette conception plus populaire, plus traditionnelle de la maladie mentale dans les dossiers, et comment c'est pris en charge un petit peu? Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Pareil, ça évolue en fonction du temps, hein. Donc, dans les premières années, je ne retrouve pas de traces, hein, qui est pour moi le signe d'une volonté d'exclure, hein, de ne pas considérer cet enjeu-là. Dès que le pouvoir européen est beaucoup moins fort dans l'institution, hein, on observe, c'est très timide dans les années 20, les années 30, on observe, on décrit le fait que le malade est passé par l'ombiage, ou qu'alors il a subi un traitement pendant 2 ans par un médecin traditionnel ou un guérisseur traditionnel, sans que ça soit très détaillé, hein. Mais on comprend que l'asile arrive au terme, bien souvent, d'un parcours à propos duquel l'ombiage précède. Et d'ailleurs, dès les années 30, hein, moi, je ne vois pas d'opposition, c'est-à-dire que les médecins malgaches à l'asile s'accommodent de cela. Ils en prennent acte. Je ne dis pas qu'ils travaillent avec, hein, mais ils s'en accommodent et il n'y a pas une opposition stricte. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une vraie tentative progressive de réintégrer la médecine traditionnelle au sein de l'asile. Et dans les années 60, à la fin des années 60-70, qui est un moment de recomposition très intense d'un point de vue politique et culturel à Madagascar, de réappropriation des langues, etc., eh bien, on invite les ombiaches au sein de l'asile. Moi, j'ai un médecin, quand j'ai mené des entretiens oraux, qui m'a expliqué, moi, je soignais et l'ombiache expliquait. Et je trouve que cette phrase est très forte et très intéressante. Et alors, après, dans les années 80, restructuration économique, nouvelle génération, volonté aussi de s'imposer selon des normes internationales, et cette question des ombiaches, elle s'estompe à nouveau. Mais donc, il y a des fluctuations comme ça, plus ou moins significatives, ou en tout cas plus ou moins marquées. Merci. Alors, j'en profite quand même pour les étudiants qui sont présents parmi nous. Peut-être si tu peux dire un mot sur tes 1100 dossiers, c'est ça que j'ai compris. Et combien de fois tu as été à Madagascar pour faire ça? Combien de temps tu y es resté? C'était juste pour donner une idée un petit peu de la quantité de travail qu'il y a derrière. Tu viens de dire que tu avais fait des entrevues orales aussi. Oui, alors j'ai été à Madagascar 2 mois avant le Covid. C'était une autre époque, hein. Voilà, j'espère y retourner très très prochainement, là, dans les semaines qui viennent, c'est pas gagné. Et donc, c'est des dossiers que j'ai patrié tout seul, hein, quand je suis arrivé à l'hôpital. Le médecin, moi je suis pas archiviste du tout, hein, j'ai aucune formation d'archiviste, donc c'était très très effrayant pour moi, hein, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment on va gérer tout ça? Je me souviens d'avoir écrit un mail à quelqu'un qui est aux archives d'Aix-en-Provence, en disant, qui est archiviste, en disant, mais qu'est-ce que j'en fais, voilà, comment je peux faire, en tout cas, est-ce que tu peux me donner quelques tips? Je les ai triés à l'aide de 5 ou 6 personnes que le directeur de l'hôpital m'a mis à disposition, en fait, adorable. C'est des gens qui s'occupent du jardinage, de l'entretien de l'asile aujourd'hui. Enfin, c'était un travail complètement... complètement inédit et insolite, en fait. Et on a classé ces dossiers-là de manière très maladroite. Moi, j'ai fait un premier classement qui consistait à tous les éplucher et simplement à les ranger par décennie, même pas par ordre alphabétique, hein. Juste que j'y vois clair dans les décennies à partir de leur date d'entrée. Et puis aussi à évacuer des dossiers qui seraient illisibles. Je ne les ai pas jetés, hein, mais dans un carton où je ne savais pas quoi en faire là dans l'immédiat. Je vous passe les détails, j'ai retrouvé des seringues, des médicaments qui allaient avec. Enfin, c'était vraiment... voilà. Et j'ai tout pris en photo, hein. Je suis revenu avec plus de 10 gigaoctets de photos que j'ai constituées dans une base de données ensuite. Et là, ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé presque 2 ans pour avoir cette base de données. En sachant en plus qu'aujourd'hui, les archives sont extrêmement menacées à Madagascar parce que le directeur de l'hôpital a changé. Et ça, c'est un très grand classique qui n'est pas propre à Madagascar, mais on revend ce type de papier ça fait des très bons emballages sur les marchés quand on achète des beignets. J'ai retrouvé du journal officiel comme ça. Voilà. Donc, il y a des archives qui sont menacées.
J'espère y retourner bientôt. Les entretiens oraux, en fait, c'est ce qui me manque. J'en ai fait moins d'une dizaine quand j'étais sur place parce que je me suis concentré sur les archives. Et là, le terrain que j'espère faire depuis des mois, même désormais maintenant, va être consacré quasiment uniquement à des entretiens oraux qui, pour moi, sont importants. J'aimerais interviewer les médecins, c'est une chose, mais aussi l'asile n'a jamais changé de place. Donc, les voisins, tout cet entourage, les religieux aussi, les responsables des paroisses locales qui doivent avoir aussi un discours sur tout ça. Voilà, mais ça, c'est un terrain qui reste à faire et c'est mon dernier terrain qui, j'espère, va avoir lieu au printemps. On te le souhaite. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut donner une main d'applaudissement à notre premier intervenant. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole tout de suite donc à notre deuxième intervenant. Je répète ce que j'ai déjà dit, mais c'est toujours utile. Donc, il s'appelle Grégory Dufaux, qui est maître de conférence à l'IEP à Lyon et membre du LARA, le très bon laboratoire d'histoire de Lyon, et qui vient de sortir un ouvrage qui résume une partie de sa recherche qui mène depuis plusieurs années maintenant, et je pense de ça dont il va nous parler, un ouvrage qui s'appelle donc Une histoire de la psychiatrie soviétique, et qui, si je ne me trompe pas, mais il va me corriger, est sorti aux presses de l'EHESS. Mais je pense qu'il a des problèmes de connexion, et donc on va l'attendre, et puis il va nous revenir, et il va nous raconter tout ça, si tout va bien. Alors, comme j'ai la parole, je en profite pour vous dire que, il y a eu un très bel... Une très belle double recension du livre de Grégory Dufaux et d'Élodie Grossi qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Donc, une double recension sur la psychiatrie politique qui a été faite par Hervé Guimin dans La Vie des idées, sur le site La Vie des idées qui est paru hier. Je vous invite à aller la voir si vous vous intéressez à l'histoire politique de la psychiatrie. Et on va être patient encore une petite minute. Pendant la petite minute, est-ce qu'on peut poser une autre question à Bien Raphaël? sûr, c'est l'occasion, allez-y, Oui. profitez-en. Alors, Raphaël, tu parles beaucoup des médecins qui sont très, très présents, qui sont au cœur de cet asile. Est-ce qu'ils sont les seuls à gérer l'institution? Est-ce qu'ils sont les seuls à pouvoir écrire dans les dossiers médicaux? Oui, merci beaucoup pour cette question, qui est une question qui est fondamentale et avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés à répondre. Enfin, à aller plus loin que ce que je voudrais, c'est-à-dire que ce sont les médecins responsables qui écrivent dans les dossiers. Je n'ai jamais retrouvé trace d'infirmiers, par exemple, même s'ils sont très tardifs. Et en sachant que l'établissement repose vraiment sur l'autorité d'un ou deux médecins au quotidien, et pendant très longtemps, en fait, le personnel soignant n'a même pas le statut de personnel soignant, c'est un cadre de surveillants, tout simplement, qui sont là pour discipliner. L'aspect disciplinaire, il est essentiel pendant très longtemps. Et donc, je peine à aller vers les infirmiers ou un personnel un peu plus bas dans la hiérarchie de l'hôpital. Je pense que. Merci. Merci d'avoir comblé et d'avoir posé des questions intéressantes pour en plus combler le temps. Donc, Grégory Dufaux, je reviens à nos affaires, qui est revenu parmi nous, donc qui est maître de conférence à l'IEP à Lyon, qui est membre du LARA et qui vient de publier un livre dont il va nous parler maintenant sur l'histoire de la psychiatrie soviétique. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bon? Si oui, la parole est à vous pour les 20 prochaines minutes. Oui, bonjour. Alors, je suis désolé avec ma connexion, ça ne fonctionne pas très bien. J'ai changé de salle. Je pensais que ça allait mieux fonctionner. Là, je me suis déconnecté. Est-ce que, et me reconnecter, est-ce que ça fonctionne un peu mieux? On vous entend en tout cas. C'est pas parfait, mais on D'accord. vous entend bien. Attendez, je cherche quelque chose, parce qu'évidemment, j'ai perdu tous mes documents. Donc, ce qui est sacrément ennuyeux, y compris donc ma présentation. Alors, je suis vraiment désolé. C'est les aléas du direct, il n'y a pas de Bon, problème. c'est quand même ennuyeux. Donc, j'espère retrouver tout ça. Voilà. Donc là, bon, normalement, vous m'entendez. Alors, tout d'abord, ben, évidemment, je voudrais vous remercier à la fois pour l'invitation et également pour la présence de toutes et tous. Et donc, ben, je vais essayer de vous présenter mon livre qui est sorti cette année. Et c'est un exercice relativement difficile que de présenter un ouvrage.
essayer de nous présenter dans son intégralité. Et pour commencer, donc, je voudrais préciser la genèse de ce projet, projet qui a abouti à une habilitation dirigée des recherches et donc à un ouvrage. Et en fait, ce projet, il remonte à relativement longtemps, à mes années de doctorat, et plus précisément à un soir où, avec mon épouse, qui est depuis décédée, où nous étions amusés à imaginer ce sur quoi nous allions travailler une fois nos thèses terminées. Elle m'a proposé plusieurs sujets, et celui qui avait retenu mon attention alors était celui sur la psychiatrie. Mais évidemment, tout cela était très flou, car je ne connaissais alors rien à l'histoire de la psychiatrie, pas plus qu'à l'histoire de la médecine ou de la science. Alors, je n'ignorais pas, bien sûr, les travaux sur la psychiatrie répressive, en particulier en Union soviétique, mais c'était tout. Et de toute façon, j'avais autre chose à faire, il me fallait écrire ma thèse. Alors cette discussion, si mes souvenirs sont bons, s'est tenue en 2005 à Paris. Je saute quelques années et nous sommes maintenant au début de 2008, cette fois à Moscou où j'habite et j'enseigne. Ma thèse est rédigée, pas encore soutenue mais rédigée, et c'est à ce moment-là que me revient l'idée de travailler sur la psychiatrie avec le souhait de profiter de ma présence en Russie pour aller aux archives. Pour moi, à l'époque, il doit alors s'agir d'un chantier de courte durée, une sorte de projet de transition entre ma thèse et ce que je ferai ensuite. Mais ce qui n'avait pas été pensé comme un travail de longue haleine l'est finalement devenu. Et je me suis dès lors donné comme objectif de retracer la trajectoire de la psychiatrie soviétique, et ce, à travers l'étude du processus croisé de mise en politique de la psychiatrie et de mise en psychiatrie de la politique. Et à cette fin, alors que j'avais initialement prévu de travailler sur l'entre-deux-guerres, j'ai progressivement étendu la période, d'abord jusqu'aux années 50, puis finalement jusqu'à la fin de l'ère soviétique. Alors on a évoqué les archives à l'instant, justement, pour conduire cette enquête. En ce qui me concerne, j'ai travaillé dans les archives à Moscou, à Saint-Pétersbourg, alors je ne fais pas le détail, je donne les lieux, donc à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kazan, qui est une ville qui se trouve donc à l'est de Moscou, à Kiev, donc en Ukraine. J'ai aussi consulté les archives de l'Organisation mondiale de la santé à Genève et également les archives du psychiatre américain d'origine suisse, donc Adolf Meyer, archives qui sont conservées au Johns Hopkins Medical Institute à Baltimore. Outre les archives, j'ai utilisé la presse, j'ai également utilisé les journaux évidemment spécialisés. J'ai encore conduit des entretiens, alors que je n'ai pas tous utilisés dans mon travail, mais en tout cas, ils m'ont été utiles. J'ai également visionné les rares films d'hôpitaux qui existent ou qui sont disponibles, en particulier deux, les Kinoglaces, donc Ciné-œil de Dziga Vertov de 1924. Alors, c'est très, très court, hein, c'est l'affaire de quelques minutes. Et également un documentaire, Psychiatry in Russia, d'un documentariste Meissels, de 1956. Et enfin, je me suis appuyé sur la littérature. Alors, si j'ai varié les sources, et donc les lieux aussi d'enquête, je n'ai cependant pas pu accéder au dossier de patients. Alors, c'était un grand regret, mais me répétait-on à chaque fois que j'essayais d'avoir accès à ces archives, eh bien, on me disait qu'il fallait que je connaisse les noms de patients et que leurs proches me donnent leur accord, ce qui, évidemment, compliquait singulièrement l'enquête. J'ai donc finalement fait sans, m'efforçant toutefois de ne jamais oublier les malades et de restituer, dans la mesure du possible, leur voix à chaque fois que je le pouvais. Au cours de ce travail, de cette enquête, je me suis alors employé à tenir ensemble deux grandes exigences. La première était d'élaborer des procédés d'enquête appropriés. L'enjeu était ici méthodologico-théorique, ou disons épistémologique. Et j'ai effectué un travail d'adaptation du pragmatisme, et en particulier du pragmatisme de John Dewey, pour tâcher d'en proposer un usage proprement historien. Avec ce travail d'adaptation du pragmatisme, j'ai voulu écrire une histoire qui soit fondée sur une ontologie pluraliste et qui pose l'irréductibilité des expériences
et se donne un modèle d'acteur sensible, réflexif et créateur. Mon analyse s'est concentrée sur des situations dites problématiques, je reprends ici Dewey, situations problématiques qui ont permis de restituer le fonctionnement social et d'identifier les raisons d'agir des individus. Mais cette attention portée aux situations problématiques explique aussi pourquoi mon propos n'est pas organisé selon un principe strictement chronologique, avec parfois des petits chevauchements ou au contraire des petits sauts, de manière à respecter l'historicité propre à chaque phénomène. Donc j'ai dit deux exigences, j'en viens maintenant à ma deuxième exigence, celle que je me suis, la seconde que je me suis donnée, était que ce travail d'enquête devait aboutir à la formulation d'une interprétation qui éclaire les transformations de la psychiatrie dans son rapport aux politiques. Et pour répondre à cet enjeu interprétatif, j'ai suggéré une lecture en termes de politique du psychisme. Par le biais de cette expression, de ce syntagme, il s'est agi de rendre compte, pour moi, de la tension entre les missions que s'assignent les psychiatres soviétiques et les fonctions que les autorités soviétiques leur attribuent. L'idée, c'était de parvenir à saisir ensemble un faisceau de propositions, analyses et solutions, qui pouvait être d'ailleurs complètement contradictoire. Donc, faisceau de propositions, analyse et solutions, qui étaient faites autour de trois grands enjeux. Le premier, c'est le rôle de la société et de ce caractère pathologique sur le psychisme. Deuxième enjeu, c'était celui du périmètre de l'assistance psychiatrique avec un éventuel élargissement des malades de ce périmètre des malades à toute la population. Et enfin, dernier enjeu, c'était la place des experts, et donc des psychiatres, dans un régime qui prétend s'appuyer sur les connaissances scientifiques et l'innovation technique pour transformer le monde. Cette tension que j'ai évoquée, je l'analyse à partir de trois moments qui constituent autant de parties de mon ouvrage. En fait, il y a quatre parties dans l'ouvrage, une première partie qu'on dira épistémologique, et ensuite trois autres parties qui sont... qui constituent les étapes de l'enquête. Alors, l'ouvrage commence dans une première partie par décrire le milieu professionnel des psychiatres à la fin du 19e siècle, où des psychiatres avancent que la folie est un problème médical auquel eux seuls peuvent apporter des solutions adéquates. Ils cherchent alors à mettre en place des innovations thérapeutiques qui s'inspirent de ce que font leurs collègues étrangers. Donc, ils portent un projet réformateur qui doit faire face à deux obstacles. Le premier est le manque chronique de moyens, et le second concerne les procédures d'internement qui échappent aux psychiatres et relèvent des forces de l'ordre. Les psychiatres en nourrissent une grande insatisfaction qui est accentuée par leur analyse de la situation du pays au moment de la révolution de 1905. Révolution de 1905 qui suit la défaite russe face aux Japonais et lors de laquelle on a des revendications de libéralisation du pays. Mais les psychiatres en livrent une analyse selon laquelle la crise dans laquelle ils estiment le pays plongé leur paraît réclamer des changements politiques d'ampleur et que c'est seulement grâce à par le biais de ce changement que non seulement le pays se transformera, mais qu'eux-mêmes pourront avoir bénéficié de conditions correctes d'exercice de leur profession, de leur métier. Et c'est ainsi qu'une partie des psychiatres rejoint les bolcheviks lors de la révolution d'octobre 1917. Dès lors, les psychiatres moscovites se voient confier la tête des nouvelles instances psychiatriques au détriment de leurs collègues de Petrograd, donc le nom donné à Saint-Pétersbourg. Et plusieurs chantiers de rénovation sont alors lancés avec un succès mitigé. La révision de la législation est poursuivie en vue de protéger les droits des malades et renforcer le statut des psychiatres.
Mais l'introduction de la direction collégiale dans les hôpitaux est un échec. Par ailleurs, pour pallier les limites du système hospitalier, des psychiatres organisent un dispositif de soins hors les murs de l'hôpital par le biais de dispensaires psychiatriques. L'un de ses principaux artisans est Liev Rosenstein, donc, qui va devenir un psychiatre, qui va s'imposer comme l'un des porte-parole de cette nouvelle psychiatrie et qui va acquérir une position d'importance jusqu'au début des années 30. Je l'ai dit, on met en place des dispensaires psychiatriques et ces dispensaires psychiatriques, pour le dire en deux mots, visent à intervenir directement auprès de la population en faisant de la prévention et en assurant le suivi des malades dans leur milieu, au plus près de leur famille. Cette mise en place des dispensaires psychiatriques, on ne la comprend que si l'on sait que leurs promoteurs défendent une conception renouvelée des désordres psychiques, conception renouvelée qui donne un rôle nouveau aux facteurs sociaux. Les contemporains parlent communément de psychiatrie sociale, et ils la disent sociale parce qu'elle prend en compte les facteurs environnementaux, mais aussi parce que son objet se veut la société tout entière. Le paradigme biologique qui s'était imposé en Russie à la fin du XIXe siècle posait la nature innée des troubles et restreignait les possibilités de soins et de réformes sociales. Cette nouvelle approche que promeut un certain nombre de psychiatres, une approche psychobiologique, véhicule quant à elle une vision plus ouverte et optimiste. Par ce poids respectif du biologique et du social dans le fonctionnement psychique, les psychiatres l'interrogent en particulier dans leurs travaux sur les psychopathies. Et ce faisant, ils abordent deux problèmes à portée éminemment politique. Le premier, d'ordre normatif, concerne le rapport du normal au pathologique, car les psychopathies représentent un écart par rapport à l'état de santé mentale et engagent une conception de la déviance qui se réfère à la capacité des individus à répondre à des situations précises. Le second problème a trait au lien entre nature et culture. Le poids attribué par les psychiatres aux facteurs biologiques et environnementaux interroge en effet l'ambition du projet soviétique de transformation du matériau humain. Les thèses bolcheviques postulant que les modifications de l'environnement économique et social favoriseront l'avènement d'un homme nouveau. Ceci étant dit, les psychiatres soviétiques peinent à expliquer le fonctionnement psychique. Alors, ils ne sont évidemment pas les seuls dans ce cas, mais en Union soviétique, des physiologistes utilisent cette difficulté pour dénoncer la fausse scientificité de la psychiatrie et revendiquer son domaine de compétence. Il en découle une controverse entre psychiatres et physiologistes, controverse que j'étudie dans la partie suivante de mon livre. Dans les années 30, le milieu psychiatrique rencontre des changements du point de vue des formes de l'échange social et intellectuel sous l'effet conjugué de plusieurs phénomènes sur lesquels je passe ici. Ce qu'il compte de noter, c'est que les anciens débats qui existaient entre psychiatres acquièrent une gravité nouvelle sous la pression du physiologiste Anatoli Ivanov-Smolensky. Alors, Ivanov-Smolensky est psychiatre de formation, mais il s'est formé à la physiologie et devient assistant de Pavlov. Et pour Ivanov-Smolensky, seule la théorie de l'activité nerveuse supérieure, donc les théories pavloviennes, est à même de fournir une clé d'explication objective du fonctionnement humain. Pour répondre aux critiques d'Ivanov-Smolensky, des psychiatres s'emploient à préciser leurs objets et leurs méthodes. En gros, on essaie d'intégrer à la psychiatrie les méthodes de la physiologie, ou du moins les perspectives de la physiologie. Alors, cette capacité des psychiatres soviétiques à intégrer les critiques en provenance de la physiologie et les transformations subséquentes de la psychiatrie est ce qui permet de comprendre l'échec de Ivanov-Smolensky face à un autre psychiatre important, qui est Vassili Gilarovski, qui met en échec Ivanov-Smolensky dans la deuxième moitié des années 30. Le revers d'Ivanov-Smolensky s'explique aussi par son isolement parmi les physiologistes, dont les mieux installés
ne partage ni son dessin, ni son naturalisme scientifique. Toutefois, après la guerre, la controverse connaît un rebondissement, et dans le livre, j'ai montré comment Ivanov Smolensky, à la faveur des changements institutionnels et personnels, attaque Gilarovski pour son usage de la physiologie. Dans le même temps, Ivanov Smolensky manœuvre auprès des responsables du parti qui veulent mettre un terme aux controverses scientifiques constituées en problème politique avec la guerre froide. Et grâce à son habileté, Ivanov Smolensky obtient que la psychiatrie adopte comme base épistémologique les thèses pavloviennes selon l'interprétation qu'il en a proposée. Alors, on pourrait voir ici un échec des psychiatres, mais les psychiatres s'emploient à rebondir et ils utilisent finalement les thèses d'Ivanov Smolensky pour réaffirmer l'ambition de médicalisation des troubles mentaux et reformuler leur idéologie professionnelle. Et finalement, on peut dire que l'originalité de la clinique d'inspiration pavlovienne, réside moins dans ses pratiques que dans les principes scientifiques qui les sous-tendent. Par ailleurs, promouvoir des pratiques ne signifie pas qu'elles soient effectivement appliquées ou même qu'il soit possible de les mettre en œuvre au regard des ressources qu'elles réclament. Ainsi, puisque j'essaie de voir un petit peu comment ça se passait dans les hôpitaux, d'un hôpital à l'autre, les situations sont très contrastées et finalement, deux discours opposés continuent de se faire face. Quand les psychiatres soutiennent l'efficience des soins et la bienveillance du personnel, des familles dénoncent au contraire la médiocrité des conditions hospitalières, voire la cruauté des médecins. Il n'en reste pas moins que la formation puis la diffusion de cette nouvelle idéologie professionnelle assure la renommée de la psychiatrie soviétique à l'étranger et des psychiatres visitent alors la Russie pour observer ce qui s'y fait. Finalement, la dernière partie de mon ouvrage traite du tournant chimique de la psychiatrie soviétique. Dès 1954, les laboratoires soviétiques fabriquent l'aminazine, l'équivalent soviétique du Largactyl. L'aminazine suscite l'engouement des psychiatres qui n'y voient que des intérêts pour eux et les patients. Du fait de leur enthousiasme, l'industrie pharmaceutique est mise au défi de la produire à grande échelle et selon des critères de qualité suffisants. Non sans difficulté, elle y parvient après quelques années et le médicament s'impose alors dans la pratique psychiatrique. Dans les hôpitaux, le traitement symptomatique des psychoses fait baisser le niveau de violence. Cette diminution de la violence se fait sans doute au prix de l'abrutissement d'une partie des patients, probablement livrés à eux-mêmes par un personnel insuffisant et débordé. Cependant, l'aminazine autorise certains malades à retrouver des activités, sinon à retourner à la société. Et quand c'est le cas, afin de limiter le risque de récidive, les psychiatres instaurent ce qu'ils appellent des thérapies de soutien, donc thérapies chimiques, qui prolongent le traitement reçu lors de l'hospitalisation. Autrement dit, les neuroleptiques relancent le mouvement de désinstitutionnalisation porté par plusieurs générations de psychiatres, mouvement de désinstitutionnalisation que l'on retrouve ailleurs en Europe et aux États-Unis. En Union soviétique, le dispensaire psychiatrique devient alors un lieu de soins qui doit contribuer au désengorgement des hôpitaux dont la surpopulation reste un mal endémique. Alors, l'usage des neuroleptiques, de thérapeutiques, devient répressif dans le cadre des internements à des fins de contrôle social et politique. Les internements forcés existent depuis l'époque tsariste, mais les autorités soviétiques y recourent de plus en plus à compter des années 60 contre les protestataires. L'usage de la psychiatrie à des fins répressives repose en particulier sur les services des psychiatres de l'Institut Serski de psychiatrie légale. Ce n'est pas le seul, mais c'est le principal. Et en outre, la police politique, le KGB, dispose d'un réseau d'hôpitaux psychiatriques spéciaux où on interne les personnes que l'on veut briser. Finalement, le recours à la psychiatrie légale s'avère peu efficace. Non seulement il ne permet pas d'enrayer la critique, mais il donne aux défenseurs des droits civiques de quoi alerter au niveau international. Le déni des autorités soviétiques ne résiste pas à l'accumulation de preuves, et ainsi, après avoir longtemps refusé de le faire,
l'Association mondiale de psychiatrie finit par condamner officiellement le mésusage de la psychiatrie en Union soviétique. Alors, cette condamnation soulève le problème de la place de la représentation soviétique en son sein. Des membres militent pour son exclusion ou sa suspension, tandis que d'autres veulent préserver la communauté psychiatrique d'une telle fracture. Plutôt que d'être exclus, les délégués soviétiques partent d'eux-mêmes. Et presque aussitôt après leur décision, ils manœuvrent pour être de nouveau admis, ce qu'ils ne seront qu'en 1989. En fait, c'est sur cet épisode que le livre s'arrête, et c'est ce que je vais faire ici à mon tour, en espérant avoir montré ici quels ont été les deux grands objectifs qui ont guidé mon enquête et qui en fait constituent une tension qui peut être source d'insatisfaction pour les publics auxquels s'adresse ce livre, hein, puisqu'en réalité, le premier objectif était de s'adresser finalement aux spécialistes de la psychiatrie, puisque ce livre voulait faire l'histoire de rendre, de cette manière, la complexité à l'histoire de la psychiatrie soviétique, complexité qui a longtemps été oubliée, et donc les spécialistes de l'Union soviétique peuvent être frustrés de cette histoire de la psychiatrie. Et le deuxième objectif était de s'adresser cette fois aux spécialistes de l'Union soviétique en écrivant une histoire qui participe à une meilleure compréhension des relations entre scientifiques et pouvoirs politiques en Union soviétique. Et ici, évidemment, l'autre public pouvait être lui aussi frustré de ce fil-là que je poursuivais. Bon, voilà. Donc, je m'arrête là et vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas frustrés de vous poser des questions à ce sujet-là. Donc, je vais laisser une minute aux gens qui ont des questions, des remarques, des interrogations, qui veulent en savoir plus. Alors, pour les gens qui veulent le titre, alors le titre, il est simple, c'est le même titre que le titre qui a été donné, « Une histoire de la psychiatrie soviétique ». Et donc, la maison d'édition, si je ne me trompe pas, c'est EHESS, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le EHESS, oui. Et publié en juin, je crois. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour les gens qui le veulent. Une question, une remarque, une interrogation. Bon, moi, je me lance. Alors, je m'interroge sur la diffusion spatiale de tout ça, parce que la Russie était quand même un grand pays. Alors, je comprends que votre enquête, elle s'est plus centrée sur les villes, mais je m'interroge sur l'organisation de la psychiatrie à l'échelle de tout le pays. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un réseau d'hôpitaux psychiatriques qui sont un peu répartis dans les grandes villes tout le long du territoire? Est-ce qu'au contraire, dans des contrées peut-être plus éloignées de Saint-Pétersbourg et de Moscou, on a d'autres types de prise en charge, par exemple des dispensaires, et que le phénomène que vous avez abordé à la fin, donc de désinstitutionnalisation psychiatrique qui passe par des dispensaires dans les grandes villes, est-ce qu'il n'existe pas déjà ailleurs précédemment? Donc, voilà, je voulais peut-être en savoir plus un peu sur la répartition spatiale de tout ça. Parce que nous aussi, on est un grand pays, on sait que c'est compliqué dans les grands pays. Oui, merci pour la question. Oui, alors, ça dépend tout d'abord de la période dont on parle. C'est-à-dire qu'évidemment, au lendemain de la Révolution, la situation est différente de ce qu'on a à la veille de l'effondrement du régime. Il y a deux éléments. Le premier élément de votre question concerne les hôpitaux. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est bien un système de soins hospitalo-centré. Ce système de soins, il est surtout européen, et donc autour des grandes villes. Même si, Kazan est en fait le premier, donc on se trouve à plusieurs centaines de kilomètres à l'est de Moscou, c'est à Kazan qu'est construit le premier hôpital psychiatrique dit moderne dans la deuxième partie du 19e siècle. Bon. Mais on a un réseau qui est essentiellement centré sur la partie occidentale de la Russie. Et on a très peu d'hôpitaux psychiatriques. Bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vont apparaître ces dispensaires psychiatriques. En réalité, ils n'existent véritablement qu'à Moscou. Il existe bien quelques embryons toujours dans la partie européenne,
mais là, il était très difficile de savoir dans quelle mesure ils existent véritablement. Mais s'ils existent, c'est une petite structure, quelque chose bon, qui relève de la bonne volonté de ceux qui croient dans cette approche. Bon. Là, je passe maintenant à l'après-Seconde Guerre mondiale, où là, on a toujours cette structure hospitalo-centrée, des hôpitaux psychiatriques qui ont énormément souffert, alors ce n'est pas le cas uniquement de l'Union soviétique, mais énormément souffert de la guerre, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est quand même sur le territoire soviétique que s'est passé l'essentiel du conflit, et donc ça se traduit aussi dans l'état des institutions. Ce que l'on va essayer de développer, c'est effectivement ce système de dispensaires qui, là, va gagner davantage les campagnes. Encore une fois, ces dispensaires, quand bien même ils existent, sont des petites structures et c'est pendant très longtemps, encore une fois, très peu dotés, très peu de personnel, et l'essentiel des moyens va quand même aux grands hôpitaux. Donc, et la partie orientale reste délaissée. Alors, il faut voir, et ça c'est un point qui a été très difficile à voir, c'est que comme pour les camps, les lieux concentrationnaires, on a beaucoup utilisé aussi les églises. On a un certain nombre de lieux comme ça qui ont été investis, et ils ont été investis sans pour autant qu'on ait toujours des traces dans les archives. Puisque justement, j'ai essayé quand même, puisque j'ai dit que je travaillais à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kazan, j'essaie de multiplier les lieux pour essayer justement de toucher du doigt ce qu'il en était. Il n'y a pas toujours de traces archivistiques. Et pour donner un exemple, quand j'ai travaillé à Kiev, alors effectivement, j'étais aux archives centrales. Je ne pouvais pas forcément faire tous les centres d'archives dans tout ce qui était ce qui représente l'ancienne Union soviétique. Mais à Kiev, pour l'entre-deux-guerres, j'ai trouvé un feuillet. C'est-à-dire qu'avec le conflit, les archives qui ont été déplacées, qu'on a essayé... Bon, j'ai trouvé un feuillet pour l'entre-deux-guerres. Bon, après, pour l'après-Seconde Guerre mondiale, là, j'ai trouvé plus de choses, mais ce qui fait que, voilà, d'un point de vue archivistique, j'ai évoqué ma frustration de ne pas avoir accès au dossier de patient, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais parfois, même dans les archives centrales, je me suis retrouvé avec pas grand-chose à mettre sous la dent. Bon, voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'est pas facile de travailler dans les archives en Russie. C'est tout simplement qu'il y a parfois tout simplement des manques et qu'on souhaiterait avoir beaucoup plus que ce qu'il y a. Oui, je pense que ça fait partie de l'imaginaire collectif que le système soviétique avait des archives énormes et avait rassemblé toutes ces informations-là et qu'il suffisait d'aller toquer à la porte des archives à un endroit et que tout était là. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, on le comprend bien. C'est vrai, mais ça dépend sur quoi on travaille. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a des bon, moi j'ai travaillé sur autre chose pendant ma thèse, mais en parallèle de cette enquête sur la psychiatrie, il y a beaucoup de choses. Mais bon, les archives des hôpitaux ont été très mal conservées et on les a pas toujours. Les hôpitaux soit les ont conservées, pas les données. Ou soit quand on les trouve dans les archives, il y a très peu de choses. Donc, il faut faire avec. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres remarques, d'autres interventions. Profitez-en. Je peux peut-être me lancer. Alors, concernant les individus comme tels, là, les patients, comment vous arrivez à documenter leur parcours et leur, je vais dire, un certain attachement à l'asile qui leur est proposé? Oui, merci. Alors,
a été est très difficile de retracer le parcours des patients. C'est-à-dire que j'ai essayé de le faire en constituant des bases de données et avant de me rendre compte que je n'y arriverais pas. Enfin, ce n'était pas possible, en tout cas avec les archives que j'avais. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'était... une fois de plus, je le répète, aucun dossier de patient. Les seuls alors, que j'ai trouvés, le mot dossier n'est vraiment pas adapté, au moment, pour le début de la période, entre 17 et 20, j'ai réussi à trouver quelques dossiers de patients. Mais le dossier de patient, c'était une fiche grande comme ça, ou comme ça, si vous préférez, large comme ça, et ça s'arrêtait là. Et j'en ai trouvé j'ai une dizaine. Bon, donc, difficile à exploiter. Ce que j'ai réussi à avoir, c'était à travers les dossiers des hôpitaux, des informations concernant tel patient à tel moment, que j'ai essayé de croiser avec ce que je pouvais avoir sur les pathologies de tel autre patient par ailleurs. Ou encore avoir accès à des lettres envoyées soit par les malades, soit par leurs proches, soit parce qu'ils étaient en charge en tant que tutelle de ces malades, ou soit parce qu'ils essayaient de faire soigner leurs proches. C'est les seuls documents auxquels je pouvais avoir accès, auxquels j'ai eu accès. Je suis très jaloux évidemment quand j'entends Raphaël ou quand j'ai ma collègue Fanny Le Bonhomme qui a eu accès aussi à ces centaines, à ces milliers de dossiers. Évidemment, entre ces beaux dossiers avec ces correspondances du patient avec leur famille. Donc, ce qui fait que c'est très difficile, mais c'est pour ça que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai essayé de multiplier toutes les sources possibles et inimaginables. Effectivement, aussi trouver des photos. Alors, la difficulté, c'est que même quand on trouve des photos, on ne sait pas dans quelles conditions elles sont prises. Il faudrait en fait faire une enquête sur les photos pour essayer de savoir. Dans quelles conditions, évidemment, c'est de la mise en scène, tout ça a rendu les choses singulièrement difficiles et très très frustrant, puisque évidemment l'idée de départ c'était pas du tout de faire une histoire politique, c'était de faire une histoire sociale de la psychiatrie, et la documentation a fait que il a fallu que je bascule. En revanche, ça c'est un point important, c'est que si on a très peu d'archives de patients eux-mêmes, en revanche, on a des archives et de la documentation concernant ces protestataires qui ont été enfermés. Et donc là, c'est assez curieux de voir qu'il y a un renversement qui s'opère, c'est-à-dire que pour le patient ordinaire, on a beaucoup d'archives, mais pas d'archives ou de documents qui viennent des patients eux-mêmes. Et quand on passe vers l'usage de la psychiatrie des fins répressives, la documentation administrative ou des responsables, ça me nuise. Et en revanche, on a des archives, on a des témoignages, des mémoires, des personnes qui ont été internées. Et finalement, il y a un renversement qui s'opère et aussi qui pose des problèmes en termes d'écriture ensuite, parce que finalement, on a assez peu de documents, on a eu des difficultés à rendre la voix de ces patients dans une partie du livre, et puis d'un coup, on passe dans un chapitre où là, c'est pratiquement que la voix des patients qui est présentée. Donc, ça pose après des problèmes d'un autre type. Mais Est-ce que la littérature peut être une solution pour trouver la voix des patients? Alors, la littérature, j'ai essayé de l'utiliser. Mais en réalité, c'est moins...
Là encore, j'essaie de chercher dans les mémoires, j'essaie de trouver dans la littérature, mais finalement, c'est moins la voix des patients qui est rendue que à la fois la façon dont l'hôpital psychiatrique est rendu et perçu, et aussi peut-être le stigmate que représente un internement psychiatrique en Russie, même si les psychiatres disent qu'évidemment les internés sont des patients comme les autres. Ce n'est pas comme ça que c'est perçu et vécu en Union soviétique. Bon, donc oui, j'ai essayé d'utiliser la littérature. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, je vais en profiter pour remercier à nouveau nos deux intervenants. Merci beaucoup pour votre présence et vos belles présentations. Et je vais en profiter pour vous annoncer en primeur donc notre prochaine séance, puisque nous recommençons pour une saison de 5 nouvelles séances à partir de l'hiver. Et donc, nous aurons la chance de nous retrouver le jeudi 27 janvier 2022 autour des histoires de contraception, avec Élodie Cerna sur l'histoire de la vasectomie et Thomas Ladeau-Mercier autour de l'histoire de la pilule. On continuera ensuite, mais vous aurez tout ça, vous recevrez tout ça bientôt par les canaux qui sont les vôtres sur la santé et ses données avec Mathieu Cortil, puis toute l'équipe de la pièce de théâtre « D'abord ne pas nuire ». Ensuite, sur la démocratisation de l'histoire de la santé avec Isabelle Perrault qui viendra présenter sa bande dessinée sur l'histoire du suicide et toute l'équipe du podcast, du très beau podcast « Le cerveau volé » qui viendra présenter son travail aussi en mars. On passera par l'histoire de l'art en avril autour du 18e du 17e siècle ou du sida. Et enfin, on finira encore une fois avec de la santé mentale autour de l'histoire matérielle de la santé mentale, donc autour des travaux de Benoît Majerus et de Mariana Scarfone. Donc notre prochain rendez-vous, mais vous allez recevoir tout ça bientôt par les biais qui sont habituels. Donc notre prochain rendez-vous, c'est le jeudi 27 janvier 2022. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes, un très bon repos et un temps des fêtes agréable. Profitez-en et puis on se retrouve en janvier pour celles et ceux qui le veulent. Merci encore de votre présence. À la prochaine fois. Merci pour ce beau programme. Ça annonce bien.